la fête de la reine. Tous les ans, au mois de mai, il y avait évidemment la fête de la reine. Puis dans les jours qui précédaient la fête de la reine, il ne fallait pas commencer trop tôt. Il fallait que les gens qui avaient l'intention de manifester s'organisent pour ne pas se faire saisir ou ramasser. Le coup. Elle avait mal vu, la reine? Ah, la reine, on l'a... Faisons... Non, définitivement, bon, oui. Je pense qu'on était très nationaliste à l'époque. Mais, donc, les gens ramassaient du bois, des pneus, tout ce qu'ils pouvaient brûler. Puis là, ils se mettaient, puis ils accumulaient dans les arrière-cours. Ça servait à ça, entre autres, les arrière-cours. Mais ils en mettaient aussi sur les toits. Puis, entre autres, sur la rue Chateauguay, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait, en face du dépanneur dont on a parlé avant, ils faisaient un gros tas de cochonneries. Ils mettaient le feu. Il y avait des fils électriques à deux fois, mais c'était pas grave. Puis là, ils s'amusaient, même à partir du deuxième étage, des édifices qui étaient tout près, ils s'amusaient à lancer des choses du deuxième étage à l'intérieur du feu. Nous, pendant ce temps-là, pour faire un lien avec tout ça, nous, on avait évidemment nos chaises sur le trottoir. Mm-hmm. Puis là, toute la soirée, les pompiers pouvaient venir 7-8 fois. Ils venaient, ils arrosaient, ils repartaient, le feu reprenait, les pompiers revenaient. Ah oui, puis évidemment, les pompiers étaient bombardés par des pétards et des choses comme ça. Ils ont fait ça, écoute, pendant des années, puis à multiples reprises, puis il n'y a personne. Tu sais, il n'y avait pas, je dirais, c'était une ville... C'était la soirée libre, tu sais. Mm-hmm. C'était la soirée Pointe-Saint-Charles. Puis je pense que c'était un des seuls quartiers où il y avait cette chose-là. Puis à chaque année, par la suite, moi, je m'intéressais. Je voulais savoir s'il y avait eu effectivement des événements de cette nature-là. Puis ça a duré longtemps, longtemps. Ça s'est terminé quand les pompiers ont décidé qu'ils allaient faire le tour de tous les endroits puis de ramasser tout ce qu'il y avait à brûler. Puis il y en avait des choses à brûler. Okay. À partir de ce moment-là, ça s'est calmé, puis on a eu... il y avait la paix ici. Mais nous, on était partis à cette époque-là. Ma soeur qui a... je pense qu'il y avait 6 ans à l'époque, se souvient, elle aussi, des feux. Mais faites-vous l'image, là, des gens sur les trottoirs, là, assis, bien confortablement dans leur chaise. C'était pas des chaises de jardin, c'était des chaises de cuisine. Et puis là, tout le monde... c'était la soirée de participation. T'sais, on regardait le feu en plein milieu de la nuit. Puis je te dis, son y passait, là, il y a encore des fils. Les fils étaient à deux pas. C'était dangereux. C'était pas grave. Puis il y en avait sur toutes les rues. Toutes les petites rues, là, il y avait systématiquement des incendies. Il fallait être tolérant en ville de Montréal, hein, pour l'accepter. Mm.